Coucou les Gémeaux, nous allons voir ensemble votre petit message pour cette semaine du lundi 16 au dimanche 22 octobre 2023. C'est parti. On vous dit, faire le point sur votre état d'esprit. Je me sens en super forme. Ça va bien. Tout va bien. Ça pourrait être mieux. C'est difficile en ce moment. J'ai besoin d'aide. Donc on vous dit les Gémeaux hein, pour cette semaine. De faire le point et peut-être améliorer si besoin votre état d'esprit. Voilà, donc je continue. On vous dit pour vous suivre le courant. Donc, certains d'entre vous, vu que ma guidance est générale, vous allez avoir légèrement du mal à contrôler, prévoir. Alors, ça peut être une situation, une personne ou une direction inattendue. Vous ressentez cette semaine hein, que cela vous déséquilibre, vous perturbe, car vous ne pouvez pas gérer. Alors, soit cette personne, cette situation ou cette direction, vous ne pouvez pas gérer ce qui se déroule ou ce qui va se dérouler, se passer. On nous dit que cette semaine, niveau de ce contrôle, hein, niveau des choses que vous pouvez pas prévoir, que vous allez vous adapter à la situation inconfortable où vous êtes. Et comprendre cette semaine qu'il est bon de se détacher. Je ressens de prendre de la hauteur et prendre la situation comme elle vient. Et que... aussi, vous allez comprendre que tout se déroule par étapes. Donc, chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Que les choses se déroulent par étapes et qu'il y a des hauts comme des bas hein, dans les situations, dans la personne. Et que viendra ce qui viendra. Voilà ce que je ressens pour vous les Gémeaux. Donc, laissez-vous transporter par ces énergies. Hein. Ce que je ressens, vous allez comprendre et prendre de la hauteur au niveau de cette situation ou de la personne et laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Hein. Le conseil pour vous, on vous dit, autorise-toi à vivre de nouvelles aventures. C'est tellement excitant. Se laisser tenter. Donc, le conseil, hein, suivez votre cœur. Faites peut-être des nouvelles choses, des choses que vous n'aviez jamais faites auparavant. Explorer des nouveaux lieux, faire de nouvelles activités. Hein. Suivez votre cœur. Le conseil pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Le message, on vous dit. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, on vous dit que pour vous, il y a une guérison, vous retrouvez un bien-être. Voilà, hein, que les choses vont s'arranger, que vous allez guérir les Gémeaux. Si c'est pas déjà fait, ça va se passer. Car votre ange est à côté de vous. Ressentez son amour, sa présence autour de vous. Il est là depuis votre première heure, comme il vous dit, et jusqu'à l'éternité. Voilà. Et je vais terminer la guidance avec le bonus. À niveau des breloques. Donc, je vais vous dire ce que j'ai ressenti au niveau des breloques. Donc, pour vous, mesdames, ça peut très bien vous parler ou parler d'une femme qu'il y a autour de vous. Ou, messieurs, ça peut parler d'une dame autour de vous. Voilà, proche de vous. Donc, ce que j'ai ressenti niveau de la guidance, niveau des breloques. Donc, par contre, je tenais à dire que je reste... franche, si je ressens des choses négatives, je le dirai. C'est pas toujours positif. Voilà, je tenais à le préciser.
Donc, je commence. Alors, je ressens qu'en ce moment, pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, si vous regardez la guidance, pour une dame proche de vous, qu'en ce moment, il y a une situation qui vous pèse, qui est lourde. Vous savez pas comment faire, que vous êtes coincé, et que vous savez pas comment faire aussi pour vous détacher. Est-ce que ça vous coince, vous êtes un peu serré, et que ça peut engendrer des peurs pour certains, car vous ne savez pas comment vous défaire ou comment faire pour que la situation aille mieux. On nous dit qu'au niveau de cette situation qui est lourde hein, pour vous, hein, mais qui est bien là, hein, qui vous pèse, hein, que cela vous épuise, hein, vous stresse. Peut-être certaines ont des mal de tête. Hein. Ça vous pèse, hein, ça peut jouer même sur votre corps, hein, dû au stress. Hein. Dit à cet épuisement, hein, peut-être niveau du sommeil, l'alimentation, peut-être que vous avez des allergies hein, ou des mal de tête, et que on nous dit que niveau de cette situation, que rien ne bouge, qu'il y a rien qui vous éclaire pour voir, comment vous dire, pour voir la fin du tunnel, hein, pour voir une avancée, hein, que c'est froid, hein, que ça n'avance pas, que vous restez dans une incertitude. Hein, et que cela peut durer pour certains jusqu'en hiver. Voilà le message que j'ai reçu au niveau des breloques pour vous les Gémeaux. J'espère que tous ces messages vous auront éclairé, parlé, guidé. Et je vous souhaite, comme d'habitude, hein, de passer une très 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 bonne semaine. Et comme toujours, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. À très bientôt.